Et bonsoir à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Stonehearts en multi, toujours avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. On se retrouve directement sur une belle petite vue. Là, on a le futur cinquième travaux de Katox qui est toujours en cours d'initialisation. Et on a un Earthling justement ébahi par la future beauté du lieu de son dieu. Hein. Il est complètement. Abasourdi devant tant de perfection. On peut voir qu'il voit dans ta tête, hein, parce que nous la perfection pour l'instant elle reste assez plate, mais c'est vrai que ça reste un petit peu voilà. Hypothétique, dirons-nous pour l'instant. Voilà, restons simples. Allez, on va remettre en pause doucement que ça se recalcule un peu. Hop. Bon, comment ça se passe? On a nos bestioles qui crèvent de faim, donc j'ai demandé aux cuisiniers de faire de la bouffe pour lapins, donc j'espère qu'ils vont être capables d'en manger, parce que... Je sais pas pourquoi d'un coup ils se mettent à rien bouffer. Ils font la grève de la faim. Je pense qu'on doit être en déj de vegetables, parce que dès qu'on a des vegetables, on les cuisine en fait. On a Kara le écureuil également, hein, qui est en train de galérer. Putain, mais la caméra elle part totalement en sucette, quoi. Tu sais, j'ai mes boutons crafter, fight and defend qui s'activent tout seul. Du coup, ça vient se foutre en surimpression par-dessus les fenêtres que j'ai d'ouvertes. C'est un peu relou. Donc effectivement, ça sera un peu bizarre. Ouais, ça, c'est vraiment moche, quoi. Du coup, je sais même pas trop dans quoi me lancer parce que mes mecs galèrent, mes vues galèrent. C'est la galère. Ouais, on sait pas trop comment gérer ça, hein, honnêtement. Du coup, on va faire un... Ah non, on devait construire le bâtiment de je sais plus qui, là. C'est quoi, c'est du maçon? C'était pas du tout du maçon. C'est du potier, peut-être. Ouais, c'est ça. C'était lequel qu'on devait faire? The Hever Burning Flame. Alors... Ah, et en plus on peut le faire. Ah non, on peut absolument pas le faire. Il nous manque des Sunflower et des Fox Lily encore. Alors, je t'en avais pas ramassé quelques-unes. Est-ce que tu préfères le plan qui utilise beaucoup plus de matériaux de construction mais qui est moins meublé à l'intérieur, ou le plan qui est méga meublé à l'intérieur? Ah bah, méga meublé, c'est classe les meubles quand même. Bon, d'accord. Je sens que je vais devoir raser une montagne pour avoir tout ça. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas participer un petit peu, quoi. Ouais, j'avoue. Enfin, si, je sais que c'est vrai, je pouvais te prêter des Earthlings, je crois. Ouais. Donc au pire, je pourrais toujours faire ça. Ah, on a un armurier qui est venu. Intéressant. On va acheter une... Attention, ça a peut-être lag. Non, ouais, tu sais, hein. Plus ou moins, hein, après tout, on n'est pas assez près. Ouais, alors par contre... est-ce que mon mec là, comment il s'appelle? Mon charpentier, il peut pas encore faire des arcs. Il peut pas encore faire des arcs. Merde, un ennemi. C'est quoi, c'est où, c'est comment? Ça zoome sur un endroit où il y a rien. Ah putain, c'est des loups. C'est derrière ta porte. Les gars. Ah, oh, putain, attends, je vais mettre pause parce que c'est juste pas possible, quoi. Ah putain, j'ai eu ça planté. Planté. Ouais, là, planté là. Ah. Planté comme retour bureau. Bon, je vais essayer de te rejoindre et on va espérer que ça arrive à se reconnecter sans mettre 100 ans. Sinon, ça fera un bébé épisode. Un bébé épisode. Non, parce que pour rejoindre la partie, le premier coup, il m'a bien fallu 30 minutes, quoi. Ça voulait vraiment pas. Allez, on y croit. Oui, rejoindre la partie, j'ai dit. Allez, s'il te plaît, jeu. Ne nous gâche pas tout, tu seras bien urbain. Hop là. Bon, je vois qu'on a fait 5 mois, 6 jours et 8 heures. C'est déjà ce qui est respectable. Bon, ça charge. On va attendre 2-3 minutes. Et puis si ça marche pas, bah, on coupera et on verra, on avisera.
Au moins, il y a la musique quand ça charge. Ça, c'est cool. Ça fera un petit peu... Mais ils auraient dû mettre une musique d'ascenseur. Bah, c'est pas non plus beaucoup plus évolué quand même, quoi. Ouais, mais bon, pour la référence. Toum, toum, toum. Toum, toum, toum. Ouais. Bon, bah du coup on va couper là. Et puis bah je ferai un petit peu de montage et on se retrouve tout de suite. Ah, bah, tout de suite. Ah attends, ça, la poule s'est arrêtée. Il suffisait de la regarder pour qu'elle se. Ou alors ça va crasher, je ne sais pas. Ah enfin... non, c'est bon, tu te connectes. Ouais, j'entends des bruits de jeu. Parfait, je vois les loups. Tersling on popé. Bon bah du coup ils étaient en train de se faire bouffer, c'est tout. Au moins on aura gagné ça. Allez, en avant les gars. C'est parti. Ah, la pluie se remet à tomber. Attention. Du coup les loups ne bougent plus. Ils sont pas tout seuls, ils doivent... Ah non, c'est des vrais loups, c'est pas des loups kobold. J'adore, c'est que mes Earthlings sont déjà en train de faire des trucs, mais les soldats sont même pas là, quoi. Bon, bah ok, voilà, un début de partie rondement mené. Un lag, des loups, parfait. Tout est bien. Bon, cela dit, ça a l'air... Enfin, bref, je dis ça, ça a l'air de laguer un petit peu moins, donc le crash aide, mais ça reste quand même pas dingue. Hein. On a plein de petits cactus à planter. Il nous faut du bois, donc on va planter des petits cactus. Où êtes-vous, petit cactus? Oh putain, oui, la vache, on en a carrément 2000 même. Allez, hop, c'est parti. Oh là là. Putain. J'en ai 100 à planter. À raison de 30 secondes par cactus à planter, quoi, ça va être long. Hein. Ça va être très long, ouais, je pense. Oh la vache. Est-ce que je peux les planter en faisant des carrés, enfin, par zone? Non, c'est bon, pas. Bah, du coup, on va planter des acacias plutôt, je pense qu'en termes de rentabilité de bois, c'est pas plus mal. Hop. Allez, plantez-moi ça n'importe où, on s'en fout. On va cliquer après tout. Non, ok, si je clique n'importe où, ça ferme la fenêtre. Très très bien. Hop. 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 Ce qui est marrant, c'est que pour une raison que j'ignore totalement, hein, quand je plante un acacia, mon bouton devient fugitivement un cactus. Du coup, je reclique et ça me plante un cactus. Et un acacia. D'accord. Bon. Ça optimise, c'est spécial. Hein, donc je peux m'en plaindre. Et tu sais, il redevient un acacia après le bouton, quoi. Y a pas de soucis, hein, mais pendant une fraction de seconde, il devient un cactus. C'est qu'il a toujours voulu être un cactus dans le fond, lui-même. C'est ça, c'est un acacia cactus. Et une résurgence de ce qu'il était vraiment. Hop là. Ah, ça y est. Maintenant ça ne le fait plus, maintenant je ne plante que des cactus, alors que j'ai sélectionné des acacias. Ouais non, ça commence quand même à être... Ah non, puis en plus vous remarquerez hein, que Katox s'obstine à mettre en vitesse 2, sans aucune pitié. Mais c'est par habitude. Chaque fois que je relance, je remonte en vitesse 2. Alors attends, j'ai un lapin qui me dit qu'est-ce qu'il veut. Il veut une plante connue comme Hearbloom. Il a besoin de soleil, d'accord, très bien. Oui, bah oui, on va essayer de te la faire pousser ta plante, pas de problème. Et bah on va faire un nouveau champ.
Est-ce que je pourrais planter des acacias sérieux par contre, parce que... Voilà, merci. Parce que bon, les bugs c'est bien gentil, mais moi c'est des acacias que je veux planter. Allez. Plop, plop, plop. Bon, allez, ça ira bien pour l'instant. Hein. Je t'ai fermé, fenêtre. Alors, tu seras gentil de rester fermé. Putain. Ah, mais bordel! Notre quête, c'était construire toujours ce Ever Burning Flame là. Et il nous faut des sunflowers, et pour ça il nous faut des marchands. Je crois que je t'en ai plus des sunflowers toi. Si je peux t'en planter. Ah, si t'en as, je serais bien aise. Ah, puis on dirait que Bunny et compagnie ont trouvé à bouffer, ils sont plus en train de glander là à rien faire. Ah ouais, t'en as la quantité en plus. Ah c'est cool. Moi, quand le marchand passe. Ouais, je me dis très bien. De leur acheter ce genre de truc. En fait, on en est où de raser Putain, ils ont rasé la montagne, sauf le tout petit bout qui bloque mon mur, quoi. <C'est>... Les mecs, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Je leur ai bien demandé de miner ça, mais oui, je leur ai complètement demandé de miner ça. Ça, c'est un truc qui manque pour donner des priorités aux actions, quoi. Ouais. Après, à leur décharge, je sais que dès qu'on met des priorités aux actions, c'est le... ça devient au niveau de les déchargements et tout, ça devient le bordel. Ce qui doit, c'est-à-dire que tous les items qui sont en jeu, ils vont, enfin, sauf si c'est bien codé, mais comme ils codent, à mon avis, ils vont faire un scan général de tous les items et puis ils vont les classer. Ça va demander une mémoire de malade. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Il y a moyen que ça soit pas optimal. Je suis d'accord. En fait, c'est bizarre parce que je suis persuadé d'en avoir ramassé des sunflowers chez toi et pourtant j'en ai pas dans mon inventaire. Donc soit je les ai utilisés pour autre chose. Mais soit je sais les... pas. C'est toi qui les as ramassés, je sais pas. Vu que c'était toi qui les as. Elles sont peut-être utilisées par l'herboriste. Hein. Ah ouais, peut-être, ouais. T'as pas tort. Alors attends, il fallait qu'on fasse un champ pour les lapins aussi, non? Ouais, j'ai rajouté un champ, attention. Alors, du Airbloom. Et bah parfait, en avant. Pousse Airbloom. Putain. Alors, lui, il vend des fenêtres. Ah, il vend des bronzes porticulis. Mais j'aimerais bien fabriquer mon propre bronze porticulis. Donnez-moi ça. Les mecs, ils font encore des objets qui sont pas roses quand même. Hein. Ça, vendre. Ça on garde. Ça tu peux vendre. Ah putain. C'est ouf. Ah c'est encore cher. Ouais, près de cette, cette fois c'est du kobold. On va mettre l'alarme 2 secondes le temps qu'il se tire. C'est ça. Alors, fonce leur dessus, bonne idée. Ah ah, mais tu vas prendre la porte et hop là. Vous avez l'air d'un con maintenant. C'est bon, on peut se calmer maintenant. Oh là là, oh, putain, c'est là. Dur. Là, c'est un truc qui prend tout le calcul graphique. Parce que là, c'est pas que ça lag, enfin, c'est lent quoi, mais ils sont juste ralentis. C'est pas un lag au sens des lags que j'avais avant quoi. Ouais. Ça, c'est. Je te parlais des actions, tu sais, que
que tu faisais et que tu te demandais un peu quoi, ben voilà, c'est ça. Allez mec, bouffez-y la gueule, putain c'est ton soldat, il est un peu tout seul par contre là. Ouais bon, allez filer un coup parce qu'il va... Il a connu pire, il va douiller quoi. Bon il a une belle armure hein, mais ça fait pas tout. D'ailleurs en parlant de ça, on en est où en termes de... d'équipement là? Attends mais mon blacksmith il est pas level 4, c'est une blague? Vous foutez ma gueule peut-être. Xavier, tu n'es pas level 4, Xavier. Mais dis donc. Ah! Ça va de mon côté cette fois. Ah, et puis c'est de l'orc, donc il va y avoir du heal et tout. Les mecs, on se bouge. Hop. Oula. Parce que j'ai cliqué. Le mec s'est téléporté à 3 plombes. Du tout convaincu d'avoir cliqué au bon endroit. Ah ouais, quand même, il commence à être un peu beaucoup. Ouais, j'avoue. Il ouais, y a deux clairs, j'ai essayé de focus les clairs. Ouais, non, faut qu'on fasse quelque chose pour l'équipement là, faut arrêter les conneries. Forgeron, tu taffes ou tu taffes pas? Pourquoi tu taffes pas? Ah, on a plus de bois, vous êtes sérieux? Putain. Qu'est-ce que t'as besoin d'autre? Ah, c'est moi qui te donne quelque chose. Ah oui, pardon. Ah, c'est gentil, merci. Tu es bien urbain. Tu les fabriques ou tu les achètes? Les deux. Ah ouais, du coup, j'ai transformé mon... Je vais pas dire que je suis pété de thunes, mais je suis un peu pété de thunes, donc bon. Ah, techniquement, moi aussi, hein. C'est surtout que... J'ai toujours des problèmes d'approvisionnement sur certains trucs de la chaîne, et du coup, ça fout la merde à chaque fois. Genre le bois, j'ai un peu de mal à assurer l'approvisionnement en bois, quoi. Bon, j'ai terminé une des deux murailles. L'autre, je la laisse en stand-by pour l'instant. Mais comme ça, au moins, on voit à quoi ça devrait ressembler terminé, quoi. Faudrait la regarder de nuit. Elle a plus de tronches, je trouve. Attends, je vais voir ça. T'as mis des lumières et tout dessus? Ouais, des petits brasiers. Ah ouais, je vois. Pas mal. Tu vas mettre une porte ou tu vas laisser ouvert? Moi, je verrai bien. Je crois que je vais laisser ouvert parce que une porte pour moi ça sert à rien. J'ai mis mes champs juste à côté et un stock comme ça mes soldats patrouillent dans les environs. Ouais c'est vrai comme on avait dit au final les portes c'est pas comme si ça avait un réel intérêt quoi. Bah ouais. Ils vont juste essayer de trouver un autre endroit. Oh, c'est cool. T'es où la mine de fer? Elle est là. Ils ont commencé à miner un peu le fer, c'est très très bien ça. Bon, avec deux fermiers, ça va un peu mieux les champs. T'as que deux fermiers? Ouais. Ah d'accord. Ouais, j'en avais qu'un avant. Ouais, moi j'en ai claqué trois quand même. Bah là c'était un peu de juste en termes de... Qu'est-ce que... Putain mais... Mais je t'ai pas demandé de miner, débile. Bordel. Stop, arrêtez tout. J'ai cliqué sur Harvest. Pas sur miner. Ouais, alors si ça commence à me faire des conneries comme ça, Elec, par contre... Ramassez ça aussi, s'il vous plaît.
Je me demande si la montagne va leur tomber dessus. Ce sera intéressant. Non, ça reste en l'air. Ouais, je sais. Je m'étais fait avoir. C'est un peu dommage. Ah ouais, ça manque d'un peu de gravité. Bah, gravité ou au moins le faire des pop. Ouais, genre il tombe en plein de morceaux quoi. Ouais, c'est un peu, tu sais, à la sauce Fortnite, quand t'arrives à détruire tout le bas d'un immeuble, ça explose en petit truc. Ouais, je vois. Le sixième travaux est lancé, je vois. Sixième première ou couche. C'est le cinquième, je crois. Attends, il y avait le canal. Canal numéro 2. La maison. Ah oui, la maison, j'ai oublié la maison. La muraille. Ah, donc ça doit être le sixième. Voilà, la muraille elle donne bien. Ouais, la muraille elle donne bien avec les petits brasiers, j'avoue. T'aurais peut-être pu en mettre des grands là. Pour le plaisir. Bah ouais, mais j'aime bien le fait que tu vois, quand tu regardes un peu de loin, ouais, t'as l'impression que c'est juste des petits. Non, t'as raison, c'est pas mal, c'est propre. T'as placé un l'autre, acacia dehors ou c'est moi? Ouais, je place des acacias dehors. Ouais. Ah ok, je me suis demandé si c'était encore ma fenêtre qui s'était ouverte et j'avais posé un acacia sans faire exprès. Non, j'avoue, c'est classe. Des acacias. Bah tu sais, là, elle a pas arrêté de se rouvrir et de se refermer 3 ou 4 fois, donc je me surprends plus de rien, quoi. Bon, bah je crois qu'il va être temps de lancer la construction de ce building. Hein. Allez, c'est parti. Ah, je peux pas lancer parce qu'il y a des trucs raides. Merde, je me disais, bon, au pire, ils régleront ça quand ça sera terminé, mais non. Faut qu'ils minent les 2-3 conneries qui restent. Et ben, on va attendre du coup. Bon, j'attaque la deuxième couche de la 46ème. De 46. Ça va être long. Ouais, tu construis par couche, toi. Mais tu sais qu'il faut un intérieur dans les bâtiments ou... Ouais, ça va arriver. Il y a pas un intérieur, on a 3 déjà. Hein? Alors, pour ce projet. Arrête de me prendre pour un, merci. Comme si je faisais des bâtiments avec un intérieur, quoi. Non. Allô, quoi. Non, mais tu la verras terminée un jour peut-être. Un jour peut-être. Bah, cela dit, j'ai l'impression que ça lag un petit peu moins là. Je sais pas à quoi c'est dû, mais. J'ai la sensation que c'est un peu plus fluide. Ouais, ouais, les mecs se déplacent vraiment en marchant et puis en se téléportant. Ouais, c'est peut-être à l'initiation, ça bug. Quoi. Ouais, peut-être. Là, ils sont trois clairs à soigner Shine là, c'est un peu la tristesse quand même. Toujours faim Shine. Pourquoi t'as faim Shine? On n'a pas ramassé les carottes encore, c'est ça? Mais si, on a ramassé les carottes. On a complètement ramassé des carottes. Est-ce que tu les laisses dans un stockage à l'extérieur? Parce que les animaux vont pas chercher dans les coffres. Ah ouais, c'est peut-être ça le souci. Je crois que j'ai demandé de stocker toute ma bouffe en intérieur. Pas qu'ils pourrissent. On va activer cette petite stock pile là. Hop. Bah du coup on va mettre que les vegetables dedans tant qu'à faire. Hop, hop. Voilà. Ouais, du coup ça fait des plombes que j'ai pas posé de brasier ou de trucs un peu classe parce que bah du coup c'est juste la merde quoi. Ça lag beaucoup trop. Déjà je me tâte si j'enlèverais pas les nains de jardin, mais on peut pas les enlever. C'est ballot ça. Non, ils ont été mis là par des forces ouais. Extérieures. En même temps, il faut bien être une force extérieure pour aimer ce truc. Nain de jardin, sérieux. Sans déconner. Ah, par contre, ce qui est cool, c'est que la plante des lapins, elle avance bien. Là. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Nouvel an. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour construire le truc là? Ah, je peux en construire un, mais c'est pas le bon. Ça
un peu triste. Putain, mais j'ai toujours 0 sunflower, c'est ouf ça. Pourtant, tu les as récoltées, non? Bah ouais, elles sont là. Alors, elles sont pas dans le. Elles sont pas dans l'inventaire. Bizarre. Ouais, bizarre. Bon, alors attends, déjà il y a lui là. Le air bloom is growing nicely. Nananana. Oui. Pas de soucis. Je vais essayer de les replanter, on va voir. Peut-être, ouais, peut-être parce que t'as récolté ceux qui étaient censés être les miens. Oh putain, ça va. Tout va bien, tout va bien. Ils sont toujours que sur la deuxième couche. Hop, voilà, on va planter 3 sunflowers. Alors, Airbloom donation. Il faut que je leur en donne 10. Très très bien. Alors, on va essayer de pas les laisser se barrer. De toute façon, je leur en ai commandé un truc. Donc, normalement, ils devraient se mettre à s'en occuper dès que c'est possible. Après, je peux toujours construire un Mystery Shrine. Est-ce que ça, on peut le faire? Voilà, les nains de jardin ont disparu. C'est toi qui les as enlevés? Non, non. C'est toi qui les avais mis, c'est vrai? Je crois que tu regardes, ils sont là depuis l'épisode 1. Depuis l'épisode où t'as dit... Putain, il faut avoir des goûts douteux pour mettre des nains de jardin. Ouais, mais tu sais, moi je pensais que c'était dans le template, j'avais jamais fait gaffe. Il est con. Putain. Et pour te dire que pour savoir si un item t'est attribué ou pas, normalement t'as un petit halo qui l'entoure parce que ton curseur dessus, il est rouge ou il est bleu. Ouais, j'avais pas fait attention, tu vois. Voilà. Non, donc mais c'est bien joué, bien. J'avoue que j'ai pas du tout percuté que c'était pas mes nains de jardin à moi. Des nains de jardin en mode ninja. Ah oui, puis je vois là, celui-là il est bleu, effectivement, le halo. Bravo, bravo, je ne peux pas dire autre chose. Ninja. Ninja de jardin. Ninja de jardin. Mais à quel moment il monte de niveau l'ingé, quoi? Putain, c'est assez ouf. Ah, pour faire monter les niveaux des ingés, c'est horrible. Ah, on est presque au level 2, truc de dingue. Bon bah du coup tu vas me refaire, je sais pas moi, une vingtaine de saloperies là. Allez, c'est parti. Puis ça fera bosser le forgeron en ce temps là. Forgeron, qu'est-ce qu'il fout d'ailleurs? Là il nous en reste encore, là ça va mais c'est pas ouf. On a du bois mais pas des masses hein. Il nous faudrait beaucoup, beaucoup plus de bois. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raser cette forêt. Hop. Voilà. Et du coup, on va en replanter une nouvelle. Hein. Hop. Hop. Ah, tu fais des forêts concentrées, toi. Ah bah oui, c'est plus facile à ramasser. Et tu rases tout, tu vas encore mettre plein de... tu vas encore mettre plein d'items partout. Tu m'étonnes que le jeu lag, regarde, rien que ta carrière, c'est un sacré bordel. Bah ouais, et mais en fait, ils bossent pas après aussi, s'ils ont pas de matières premières, c'est pas de ma faute. Ouais, mais bon, est-ce que t'as assez de place pour toutes les matières premières? Est-ce que tu laisses même assez le temps pour transporter toute cette merde? Bah, j'ai pas de bois, enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas les raser un par un quand même, les arbres, ça serait abusé. C'est... Non, mais bon, il y a peut-être un certain équilibre à avoir. Genre un juste milieu, quoi. Voilà. Pff, bon, ok, je vais essayer de faire gaffe. Eh
Et je leur ai mis plein de coffres de stockage et tout, et ils foutent rien dedans. Hein. Bah c'est parce qu'ils ont pas la... Je pense pas qu'ils aient l'occasion. J'ai deux mecs qui font que porter. C'est leur unique taf, quoi. Porter des trucs. Quel est mon rôle? Passe-moi le beurre. C'est ça. Mec, ils servent qu'à ça. Il y a l'herbaliste qui fait rien de sa vie, qui fait que porter aussi, tant qu'à faire. On pourrait pas dire que je fais preuve de mauvaise volonté, quand même. Je leur fais des jolies forêts pour aller balader les enfants et tout. Bon, ça suffira. Est-ce qu'on récolte ces trucs là? Est-ce qu'il faut que je leur dise de récolter? Non, ils vont récolter tout seul. Bon bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Je rends compte qu'en un épisode, ils ont construit deux niveaux et demi. Ouais bah te plains pas, hein. Moi j'ai toujours pas réussi à finir mon bâtiment là. Hein. S'il faudra terminer la série, je relancerai la partie en solo et je te montrerai les deux templates que j'ai fait. Avec plaisir. Mais ça y est, ils ont terminé de miner le bout qui me coinçait, donc on va pouvoir lancer les constructions. Attention. Mais on fera ça lors d'un éventuel prochain épisode, hein, du coup. Donc j'attends du coup vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vous semble devenir vraiment trop injouable pour que ça vaille bien le coup? Et puis bah du coup on se dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Salut.